Les encadreurs pédagogiques, les enseignants et les parents d'élèves de la région du Sahel ont eu une séance de travail avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation mardi dernier. Les échanges ont porté sur les défis que les acteurs doivent relever pour une éducation de qualité. Le point avec Issa Lankwande. Dans cette salle sont réunis les acteurs du monde éducatif de la région du Sahel. Et face à eux, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Ils ont rendez-vous pour un dialogue direct sur les défis de l'éducation au Sahel d'une part et d'autre part pour prendre connaissance des préoccupations des différents acteurs. Les défis ont pour nom le faible taux de scolarisation, le faible taux d'achèvement au primaire, les mariages précoces, le développement de l'appareillage avec l'utilisation des enfants en âge d'aller à l'école sur les sites. Puis, tour à tour, chaque groupe d'acteurs expose ses préoccupations au ministre Koulibaly qui est attentif. Au moment de donner les réponses aux préoccupations posées, il explique que son département a hérité d'une situation difficile marquée par la mise en œuvre hâtive du continuum éducatif qui, toutefois, a des avantages comparativement au système classique. Pour lui, cette sortie était nécessaire pour voir au plus près les réalités du terrain. Au niveau du Sahel ici, même s'il n'y a pas en tant que tel un problème de personnel, c'est tout simplement la stabilité de ce personnel-là qui pose problème. Les demandes pour quitter le Sahel sont à un nombre très élevé, et dû aux conditions particulières auxquelles les enseignants de la région sont confrontés, nous nous sommes dit qu'il nous fallait venir ici pour discuter de vive voix avec ces travailleurs-là. Les acteurs du monde éducatif, eux, saluent l'initiative du ministre de l'Éducation nationale qui leur a permis d'exposer certaines de leurs préoccupations. L'initiative est bonne, mais ce que nous aurions mieux souhaité est que peut-être les acteurs, on les rencontre de façon différente. Mais spécifiquement, que nous puissions avoir le temps avec le ministre en tant qu'encadreur pédagogique pour pouvoir poser certains problèmes dont peut-être nous hésitons à poser en public. Cette rencontre d'échange avec les acteurs du monde éducatif du Sahel a permis au ministre de recenser les difficultés auxquelles ils font face afin de proposer des réponses idoines.